Aucun conflit n'est éternel et l'histoire montre que des pays ou des nations qui avaient des relations violentes, antagonistes, ont pu se réconcilier finalement. Mais il est vrai que lorsque l'on regarde la situation aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien, on peut dire que jamais la paix n'a paru aussi éloignée. Parce que Israël continue son occupation et sa répression sans aucune pression extérieure. Trump soutient à 100% la politique actuelle israélienne. Les pays européens, tout en la condamnant verbalement, ne font rien qui puisse donner à Israël le sentiment qu'il faille changer de comportement. Et Israël, par ailleurs, a des bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, et y compris avec l'Arabie Saoudite, ce qui est quand même un changement tout à fait fondamental. Et puis avec l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil, le Brésil va aussi suivre la même politique que les États-Unis à l'égard d'Israël. Donc diplomatiquement, Israël est gagnant sur de nombreux points et n'a donc pas envie de changer la donne et de faire des concessions qui lui paraissent inutiles par rapport aux Palestiniens. Par ailleurs, ceux-ci sont divisés entre Gaza, la Cisjordanie, entre l'autorité palestinienne qui manque de légitimité et le Hamas qui n'est pas reconnu internationalement. Donc on peut dire effectivement que pour le moment, la paix semble éloignée et en même temps, on sait très bien qu'il n'y a pas d'autre solution parce que cette solution d'injustice, cette solution bien finalement ne peut que mener au désespoir qui est porteur de violence et donc il faudra faire entendre raison. Mais tant qu'il n'y aura pas de pression sur Israël, le gouvernement israélien qui est de plus en plus à droite, parce qu'il y a un glissement de la société israélienne à droite, voire même à l'extrême droite d'ailleurs, ne changera pas.